Abonnez-vous YouTube. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Bonsoir, shalom peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez. Vous qui continuez à accorder votre temps à Hosanna Magazine. Je reçois beaucoup de mails, beaucoup d'appels et le message par rapport à des personnes, nos téléspectateurs, qui continuent à s'abonner, à aimer notre page Facebook Hosanna Magazine, qui continuent à souscrire sur notre chaîne YouTube Hosanna Magazine. Alors, bien aimé, je vous dis simplement merci pour l'encouragement. Merci parce que vous avez compris l'importance de ces projets. Et je sais que vous êtes nombreux encore une fois de plus. Alors avant de commencer ce soir, j'aimerais vous dire simplement que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse. C'est l'objectif, je veux que vous puissiez être édifiés, bien-aimés. Ce n'est pas simplement un show là où nous venons, nous parlons et puis c'est fini. Non, mais l'objectif, nous voulons que ce que nous partageons ici, que ça puisse arriver à encourager un enfant de Dieu. Ça puisse arriver à édifier un enfant de Dieu. Parce que le rôle par rapport aux chrétiens d'Hosanna Magazine, c'est les faire aiguiser les fers. Le rôle par rapport à des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, c'est arriver à se convertir. C'est un outil d'évangélisation. Alors je vous donne quelques minutes de partager cette émission, bien-aimés, et partager, afin que le maximum de personnes puissent arriver à se connecter. Alors, je tiens simplement à rappeler, pour ceux qui se sont connectés pour la première fois, je suis Muller Malonda, le présentateur de l'émission Profil. L'émission que vous êtes en train de suivre, c'est Profil. La raison de cette émission, c'est arriver à connecter le serviteur de Dieu avec le peuple de Dieu, afin que le peuple puisse savoir là où il faut partir quand ils ont besoin de quelqu'un. Et le peuple, le serviteur, qu'ils arrivent aussi à se faire connaître, à se faire connecter par rapport aux brebis, parce que c'est ça leur rôle. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir un invité, 25 ans dans le ministère pastoral, bien-aimé, 25 ans. Donc tu as un enfant, né, grandi, il a même terminé l'université. Donc il parle très bien aussi de la part de l'Éternel. Je lui connais, certains d'entre nous, nous le connaissions, mais d'autres ne le connaît pas encore. Je veux le présenter tout à l'heure. Je veux laisser que lui-même puisse arriver à se présenter. Mais en attendant toute chose, je veux simplement dire merci au pasteur Boniface à Kabuya de Lexington, l'église AMPG. La dernière émission que nous avons fait, vous l'avez vous-même vu, ils nous ont remis les cadeaux et une lettre qui est venue de la Genèse par rapport à l'événement que nous avons couvert à Lexington et toute l'équipe de Hosanna Magazine. Ce genre de choses ne peut pas passer inaperçu. Alors je dis merci beaucoup pour l'encouragement, merci beaucoup pasteur, que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous inspirer et vous propulser. Et aussi, je voudrais quand même lancer, comme d'habitude, un petit mot par rapport à la communauté anglophone qui continue aussi à suivre l'émission Hosanna Magazine, parce que comme j'ai toujours dit, Hosanna Magazine, nous sommes basés aux États-Unis, alors on ne peut jamais s'en passer sans la langue anglaise. Thank you followers. I know you are a lot behind your TV screen following this show, and I'm just so excited. I know you're gonna share it even though you don't understand some of the most of the show we do, but I know Pastor Darren, he's there, he's sharing the word of God with you guys, and very soon we are going to start doing a show also that it's gonna be English based only. So stay with us and we're going to broadcast live very shortly this month for our first time English speaking show. Thank you, Pastor Darren, for your heart. Thank you. I call you my brother from another mother for all you have done, and you, your mentor, your wisdom, you know, sharing with me. And thank you. Thank you, Pastor Abraham. For now, I'm going to switch back. I already talk a lot.
I'm going to introduce my guest for today. Merci encore une fois de plus. Restez connectés. Maintenant, j'ai le plaisir de vous introduire notre invité spécial d'aujourd'hui, le pasteur Chris. Mais lui-même, il va se présenter. Bonjour, pasteur Chris. Bonjour, mon bien-aimé Miriam Malonda. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accepter de passer sur nos plateaux aux Ana Magazine, l'émission Profil. Alors, comment vous allez, pasteur? Je vais très bien, merci. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui suivent aux Ana Magazine. Les gens vous ont vu pour la première fois. Moi, je vous connais, on parle bien. Vous êtes parmi les conseillers d'Osa la Magazine, les héros dans l'ombre que j'appelle. Mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui sont en train de vous voir pour la première fois dans notre chaîne Osa la Magazine, si vous pouvez vous présenter rapidement le nom et enfin qu'on puisse passer sur le vif du sujet. Oui, mais je m'appelle le révérend pasteur José Chris Tutenga. Je suis pasteur de l'Église méthodiste unie. Maintenant, j'œuvre ici à Louisville, Kentucky, où je suis responsable de l'écoute francophone au Bethel United Methodist Church. Et, si vous avez besoin de quelques éléments par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je commence à servir le Seigneur à Kinshasa. D'abord comme évangéliste dans mon église locale. Aux alentours des années 88-90, j'ai eu mon appel, j'ai commencé à prêcher. Mais vraiment, ma prédication comme évangéliste et comme prédicateur, j'ai vraiment assis mon ministère à partir des 93. Et en 2004, j'étais ordonné pasteur. Mais depuis 93, j'ai commencé ma prédication. Donc, mon ministère a commencé en 1993. Et après, l'Église a trouvé que je devais devenir pasteur. J'ai été envoyé en théologie. Et en 2004, j'ai été ordonné pasteur. Et depuis là, je suis là. Plus de 25 ans, comme vous l'avez dit, dans le ministère, entré. De participer à l'expansion du royaume de Dieu. Waouh, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je sais, vous avez déjà entendu, il a déjà introduit son parcours, qui est l'une même des raisons de notre mission Profil. Nous voulons plus marteler et comprendre un peu son parcours dans le ministère. Alors, vous avez dit plus de 25 ans de carrière. Ordonné pasteur depuis 2004. Et vous êtes en train d'assumer le rôle de pasteur dans quelle église, pasteur? Oh, j'ai voyagé dans beaucoup d'églises à Kinshasa. J'ai circulé presque dans. Vous savez, Kinshasa, dans la congrégation, l'église méthodiste unie, la 28e communauté méthodiste à Kinshasa, j'ai œuvré dans plusieurs églises, presque toutes les églises de la ville de Kinshasa. J'étais partout. Je ne saurais pas dire. C'est vraiment toutes les églises dont compte la vie de Kinshasa. J'étais à gauche, à droite, j'étais pasteur à Ngaba, j'étais pasteur dans la commune de Kinshasa, j'étais pasteur à Kanluka dernièrement avant de venir aux États-Unis, j'étais pasteur à Barumbu. J'ai voyagé partout. Hein, vraiment. Donc si je comprends, alors vous étiez sous forme de missionnaire. Non, pas missionnaire. L'église méthodiste unie, les pasteurs est itinérant. Le pasteur est itinérant, il n'est pas assigné par rapport à un seul lieu. Le pasteur est itinérant, ça dépend. Quand l'évêque décide de vous déplacer d'un lieu à l'autre, vous partez. Voilà. Et chaque année, nous attendons ce que nous appelons la désignation, c'est-à-dire qu'après l'évaluation des travaux, l'évêque peut, à son bon vouloir, dire « Ce pasteur, je le trouve efficace dans un coin, il part ». Mais moi, je n'ai pas eu la grâce comme les autres pasteurs. Je ne dis pas que c'était mauvais de rester pendant longtemps un seul lieu. Moi, j'ai répondu souvent, tous les évêques que j'ai connus me prenaient pour aller résoudre des problèmes dans les différentes paroisses qui s'est posées. Et ça s'est passé bien. Voilà, vraiment. Et alors, ça, c'était par rapport au temps que vous étiez en train de faire. Il y avait un délai déterminé pour arriver à faire cela ou c'est par rapport à...
aux besoins qui s'est présenté par rapport à l'autre église. C'est par rapport aux besoins. Capacités et puis on vous. Je crois que c'est par rapport aux besoins et j'ai compris par après que, vous savez, il y a des gens de pasteurs qui sont localisés, il y a des gens de pasteurs, comme vous l'avez dit, qui sont missionnaires, qui vont, qui implantent et qui restaurent, et le Seigneur les appelle ailleurs. Amen. Voilà un peu. Moi, je crois que j'ai un rôle restaurateur. Amen. Voilà. Alors, parlant de cela, cela me ramène aussi à poser une autre question par rapport à Pasteur Chris. Oui. Alors, Pasteur Chris, quel est le ministère? Parce que c'est ça, en fait, l'une des rôles d'Ozana Magazine. Afin que le peuple de Dieu puisse arriver à vous découvrir, quel est le domaine ou le ministère où vous êtes plus fort, là où Dieu vous a appelé? Je vais vous faire une découverte. J'ai commencé d'abord par être aumônier d'une église, d'une chorale. C'est là vraiment que mon ministère est parti. Voilà. Ça veut dire aux jeunes gens, il ne faut pas attendre, ceux qui viennent, qui veulent travailler, il ne faut pas attendre de grandes choses pour commencer à servir Dieu. Moi, j'étais dans la chorale, très profond, comme chantre, mais les collègues dans la chorale ont trouvé que quand j'ai passé, parce que là, à cette époque, nous avions, comment dirais-je, la méditation en rotation. On peut dire, c'est aujourd'hui Miller qui médite. Demain, c'est Christ. Et chaque fois que moi, j'ai donné ma méditation, les gens trouvaient que ça, ce sont les amis, les collègues de la chorale qui disaient que c'était très bien. Et c'est alors qu'on m'a dit que tu deviens notre aumônier. Voilà. Mais moi, je ne savais pas que mes pasteurs à l'époque, que je salue en passant, le pasteur Kemba, le pasteur Jean-Marie Kemba, le pasteur Lotengo, qui sont à Kinshasa, le pasteur Massoudi, je vous salue en passant. Mais mon vieux qui m'a connu depuis la jeunesse, qui était mon président de jeunes, le pasteur Kipoké Sao. Je vous salue en passant. Mais ce sont mes pasteurs qui m'observaient pendant ce temps, qui ont trouvé que je pouvais servir. Après, j'ai été nommé directeur de discipline dans une école. J'ai apporté avec moi l'expérience de l'évangélisation dans ma petite chorale, que j'ai amenée à l'école. J'ai créé un groupe de prière à l'école. J'ai créé un culte francophone qui est devenu aujourd'hui un grand paroisse. Par la puissance du Saint-Esprit, wow, je suis allé. Mais c'est de là que les gens ont dit non, non, non. Toi, tu es pasteur. Je me plaisais à travailler dans ces camps. Et puis après, c'est parti. Vous avez posé je suis rentré pour faire comprendre que j'ai commencé par les petites choses pour me découvrir. Oui, oui. Mais aussi, pendant que j'étais directeur de discipline dans une école, il y a un projet avec l'Église de Christ au Congo, ECC, avec le centre Bomoto, où je suis parmi les géniteurs. C'est un grand centre d'encadrement des jeunes dans la ville de Kinshasa, au carrefour des jeunes à Matongé. Là, j'ai commencé l'écoute des personnes, qu'on appelait counseling. J'ai commencé, c'est là que j'ai développé mon ministère des délivrances. Parce que pour avoir écouté, j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Oui. Et pour mieux résoudre les problèmes, il faut les identifier. Voilà. Et j'ai compris qu'avec ce ministère, quand on résout les problèmes des gens, c'est soi-même qui devient. C'est par rapport à nous-mêmes d'abord. Et là, ça m'a aidé. De ce travail est né le ministère des couples, de ce travail est né le ministère des personnes en situation difficile, de ce travail est né l'accompagnement de personnes avec le VIH et avec les victimes de violences sexuelles. Donc, quoi, au fil de temps, j'ai découvert beaucoup de choses. Pendant que je suis allé en théologie après, j'étais en première année de théologie vers la fin, l'Église méthodiste unie va avoir l'idée de commencer une radio. Et mon ami, le pasteur Martin qui est à Kindu, je le salue en passant, qui vient me dire, il dit, Christ, tu parles mieux. Je pense que tu seras, avec toutes les expériences que tu as, d'une manière réservée, si tu l'as partagé aux amis à la radio, il y aura des millions de personnes qui vont être bénies. J'entrerai par le canal de mon ami dans une formation de journalisme et d'animation et de production radio-TV. Okay. Et au sortir de là,
je deviendrai animateur. Mais j'avais une émission à Kinshasa qui était suivie à Brazzaville et à Kinshasa. C'était une émission à la radio méthodiste et nos collègues qui s'appelait Cri et supplication. Cri et supplication. C'était une émission de prière. Je n'ai jamais vu le Seigneur servir comme ça. Vous savez, des fois, quand on sait le Seigneur, qu'on n'écoute pas ce qui vient, les feedbacks, on ne sait pas que le Seigneur nous aime. On regarde beaucoup plus ce qui nous arrive comme problème. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les problèmes qui m'arrivaient étaient moindres par rapport à ce que le Seigneur faisait avec moi. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci, merci beaucoup, Pasteur Chris. Vous qui êtes en train de nous suivre, si vous venez à peine de vous connecter, vous êtes bien dans Hosanna Magazine, dans son émission Profil. Vous êtes en train d'écouter le Pasteur Chris Chitenga en train de partager son parcours dans le ministère. 25 ans de carrière. Alors, si vous venez à peine de vous connecter, bien aimé, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, afin que vous puissiez arriver à bénir le peuple de Dieu en écoutant ces genres de messages, ces genres de partage. Merci beaucoup, Pasteur Chris, par rapport à ce que vous êtes en train de partager. Mais basé sur cela me repousse encore à comprendre une chose. Finalement, vous n'êtes pas simplement que pasteur. Oui, je commence à découvrir beaucoup de choses. Alors, quelle est l'autre différente casquette que regorge Pasteur Chris Chitenga? Je voudrais te donner un secret. Tu sais, le ministère pastoral est total et global. Pour mieux l'exercer, vous devez être aux aguets de tout ce qui se passe. Voilà. Un pasteur devrait être un polyvalent. Vous savez, quand vous allez dans les écoles pastorales d'antan, au Congo, les pasteurs étaient formés comme un agent de développement communautaire. Vous ne pouvez pas, vous savez, quand Jésus répond à Satan dans l'histoire de la tentation, il dit, toi tu es le fils de Dieu, tu peux traduire, tu peux transformer cette pierre en pain. Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole du Seigneur. Bon, il dit, pas seulement de pain. Le pain en grec, c'est artos. Artos qui voudrait dire aussi minimum vital. Tu comprends? Oui, oui. Donc Jésus lui dit, donc quand tu donnes, tu as la parole de Dieu et que tu n'as pas le minimum vital, tu pêches. C'est des besoins concomitants, c'est-à-dire qui doivent aller ensemble. De pair. De pair. Voilà. Donc tu ne peux pas parler de l'évangile, de la foi, ça parle sans s'occuper du minimum vital. Vraiment. Tu comprends? C'est-à-dire qu'un prédicateur est celui qui sait mettre ensemble les minimums vitaux et la parole de Dieu. Le minimum vital et la parole de Dieu. Donc ça dit que c'est une balance. Il ne faut pas qu'il y ait des équilibres. Mon ministère est basé sur ça. Je reçois mon appel et le Seigneur me parle dans Luc 5. Il dit, je te ferai pécheur d'homme. Mais quand vous regardez l'histoire, c'est après avoir tout péché. Toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Lisez bien Luc 5. Oui, oui. Ils n'ont rien reçu. Et Jésus, quand il arrive, il entre dans la barque. L'outil du travail. Je veux dire aux bien-aimés qui voudraient devenir pasteurs, qu'est-ce que vous avez comme outil que vous pouvez présenter au Seigneur afin qu'il l'utilise pour vous faire de lui ce qu'il veut? Il dit, quitte, avance en pleine mer. Dieu n'est pas le Dieu des surfaces. C'est un Dieu des profondeurs. Le ministère pastoral, le ministère de guérison, le ministère, c'est pas un ministère superficiel, c'est un ministère de profondeur. Donc vous devez être vous-même connecté. Ensuite, quand Jésus dit quitte le rivage c'est quand on a travaillé, qu'on est fatigué, qu'on revient au rivage pour rentrer à la maison. Il faut retourner là où se trouve le poisson. Mais Pierre était un expert. Un expert pêcheur. Jésus ne s'intéressait pas à quelqu'un qui ne connaissait pas ce métier. Mais il avait échoué parce que Jésus n'était pas là. Il y a des ministères qui échouent aujourd'hui parce que les gens n'ont pas de Seigneur avec eux.
il n'écoute pas. Et Pierre, avant de jeter le filet, c'est le Seigneur lui dit, jette le filet. Il a jeté à droite, peut-être qu'il lui a jeté à gauche. Vous savez, là aussi, le Seigneur m'ouvre l'esprit maintenant. Tu sais, c'est toi qui poses des questions dans le langage journalistique. Je ne peux pas te remettre la question, mais tu permets quand même que je te dise, quand tu as 10, le chiffre 10, pour avoir le chiffre 10, il y a plusieurs opérations qui peuvent se faire. Exact. Tu peux avoir 5, 5, ça fait 10. 8, 2, ça fait 10. 4, 6, 4 et 2, ça fait 10. Il y a plusieurs. Mais il y en a qui pensent qu'ils ont le monopole de la réponse. La remise en question, ça vous l'ai dit, la remise en question dans le ministère permet de voir d'autres horizons. Il est rentré, il a dit sur ta parole, je vais jeter. Un prédicateur, c'est celui qui sait se remettre en question. Chaque fois, écoutez plus les autres. Écouter les seigneurs et lire beaucoup et observer beaucoup. Je te donne un secret, mon frère. On devient riche quand on sait identifier les problèmes des autres. Amen. Et apporter des solutions à quelqu'un. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Mais effectivement, ces casquettes, moi, je pense que ce sont les besoins que le Seigneur trouve au milieu de son peuple. Et moi, j'essaie de m'adapter. Je n'aime jamais être un poids pour l'Église. Mon exemple, c'est d'abord mon maître, mon Seigneur, le Seigneur Jésus. Et le deuxième exemple, pour moi, c'est Paul. Il a fait les tentes pour ne pas être poids pour l'Église. Je veux être indépendant par rapport aux fidèles afin d'être efficace. Waouh! Très profond. Alors, vous qui êtes en train de suivre encore une fois de plus, c'est comme si l'émission venait à peine de commencer. Ça, c'est le pasteur Chris qui est en train d'intervenir dans l'émission Profil. On vous avait dit, seul objectif que nous faisons ces émissions, si vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu, afin que nous puissions s'édifier mutuellement. Le fer aiguise le fer, bien-aimé. Et Lausanne Magazine, c'est pour l'évangélisation. Alors, je pense que vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes édifiés en écoutant ce genre de message. Voilà pourquoi je vous invite encore une fois de plus de partager l'émission, bien-aimé, partager l'émission et afin que ça puisse atteindre le maximum de gens. Si vous n'avez pas encore fait cela, aimez notre page Facebook, Hosanna Magazine. Si vous ne connaissez pas notre chaîne YouTube, allez sur YouTube, cherchez Hosanna Magazine, souscrivez-vous. Parce que à chaque fois, nous allons continuer à poster la rediffusion de ces émissions ici sur notre page Facebook. Je voudrais quand même donner quelques communiqués par rapport à l'église Calvaire Centre Chrétien qui est en train d'organiser une journée de Samedi Fire spécial le 29 septembre à 17h ici au sein de Calvaire Centre Chrétien. C'est 1710 Telleville Road à Louisville, Kentucky. L'adresse, ça va s'afficher sur... L'adresse va être postée sur la page commentaire de notre page Facebook. Et ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube, l'adresse, ça s'affiche sur les écrans. Donc, je répète, c'est à partir de le 29 septembre 2018 à 17h30 ici au Calvaire Centre Chrétien, Samedi Fire. Il y aura un invité spécial qui va venir d'Indianapolis. Et puis toujours l'église Calvaire Centre Chrétien, au mois d'octobre, ils sont en train d'organiser le retraite des hommes. Donc tous les hommes, ce n'est pas simplement les hommes de Calvaire Centre Chrétien, venez et nous allons partir, se retrouver ensemble dans le cadre toujours FR Église Le Ferme. Ici, c'est seulement le retraite des hommes. Ce sont des histoires un peu rares ici aux États-Unis, bien-aimés. Il faut en profiter. Alors, je reviens sur mon invité d'aujourd'hui, le pasteur Chris Tshitenga. Chris Tshitenga, pour ceux qui sont venus à peine de se connecter, le pasteur Chris Tshitenga, il est venu de Kinshasa et s'est installé ici aux États-Unis d'Amérique. Il est pasteur de la dénomination méthodiste, church. Et voilà ce qui me conduit à ma prochaine, la question suivante. Ça fait depuis combien de temps, pasteur, que vous êtes installé ici? Est-ce que votre installation ici est permanente ou provisoire? Moi, je suis venu aux études. Je suis d'abord venu aux études. Et le temps que les études vont prendre,
Je ne sais pas où est-ce qu'il m'amène, mais je suis d'abord là comme tel. Mais je me plais. Je suis arrivé par Atlanta, ça me plaît, mais j'aimais Kentucky, j'aimais Louisville. Je suis là. Je savais en passant mes collègues pasteurs, Pasteur Kelly, Pasteur Kevin, Pasteur Yossé. Mes collègues, nous travaillons, nous sommes une équipe de 4 pasteurs, et nous travaillons bien. Il y en a qui sont chargés. Parce que Kitty coordonne, moi je suis chargé de culte francophone, parce que Kevin, l'équipe francophone, et les pasteurs aussi. Et Gonzalez est chargé de culte espagnol. Donc ça se passe très bien. Donc vous avez commencé un ministère ici aussi. Oui, j'ai été affecté comme pasteur là-bas. J'ai commencé le ministère francophone qui fonctionne chaque dimanche de 9h30 à 10h30. 9h30 à 10h30. Ouais. Alors, donc 9h30 à 10h30, c'est quel jour? Dimanche. 9h30 à 10h, vous avez un ministère francophone. Alors, vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez entendu, le pasteur Chris a dit, il a un ministère francophone qu'il a commencé chaque dimanche à partir de 9h30. Si vous n'avez pas une église, alors voilà l'occasion qui nous est donnée afin que nous puissions arriver à partager, à participer, à s'édifier mutuellement. Car la parole de Dieu a dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 25, n'abandonnez jamais vos rassemblements quand en voyant que le temps est presque à la fin. Merci beaucoup, vous qui continuez à nous suivre. Maman Gina, merci beaucoup. Carlos Pembele, vous êtes nombreux. En tout cas, je ne saurais pas citer les noms de tous ceux qui sont en train de nous supporter. Maman Esther, Maman Janine Vita à Champagne. Vraiment, vous êtes nombreux dans le monde entier. Caroline, à partir de l'Angola, à Luanda. Maman Lydia, à partir de Lexington. Vraiment, merci. Continuez à partager le travail que vous êtes en train de faire. Et je reviens encore chez le pasteur, parlant toujours de ministère. Pasteur, vous avez beaucoup travaillé au Congo. Je change un peu de gap. Je parle par rapport à l'expérience pastorale. Vous avez travaillé au Congo, vous êtes ici au niveau des États-Unis. Alors, quelle est la différence que vous avez trouvée par rapport au travail? Du point de vue du travail ministériel et du point de vue par rapport aux brebis que vous êtes en train d'encadrer. Au Congo, vous pouvez avoir le brebis n'importe quand. Vous avez la possibilité d'avoir le brebis du matin au soir. Vraiment. Mais ici, c'est le monde de Buzi. Chacun est focus sur ce qu'il est en train de faire. Les gens ne sont pas disponible parce que les horaires du travail quelquefois sont inconfortables. Il y en a qui sont aux études, qui ont choisi les chiffres des week-ends. Le dimanche, il est fatigué, il doit dormir. Ouais. Bon, pour récupérer le lundi, reprendre le cours et le week-end, tu vois, dans cet engrenage-là, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même bien pour moi parce que je me remets en question par rapport à. Comme j'ai dit, un bon pasteur, c'est lui qui sait recommencer les choses, qui sait adapter les choses par rapport au temps, aux circonstances. Ici, la notion du temps est très élevée, tu comprends? Et les cultes font une heure. Donc, dans une heure, il faut tout faire. Il faut être pragmatique. Même le sermon, il faut l'orienter. Et je vais me donner le temps que j'ai passé à la radio, parce qu'à la radio, j'avais une émission d'une heure. À une heure, il fallait prêcher, à une heure, il fallait prier pour les gens. Donc, il fallait organiser les choses dans le temps. J'ai trouvé un culte d'une heure, je m'adapte. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Ici, les gens sont très rationnels. C'est-à-dire que vous devez, le cerveau travaille. Donc, vous ne pouvez pas embrigader les gens comme on le fait ailleurs. Donc, la notion de l'intellect pèse. Aussi, les gens voudraient avoir, ils sont pragmatiques. Il faut prouver par l'intelligence les choses que vous dites. Voilà. Donc, mais au Congo, vous avez la possibilité, les gens ont une foi spontanée, engagée. Mais il y a une entorse. Ceux qui étaient très engagés au Congo, quand ils arrivent en Europe, ici aux États-Unis, c'est comme s'ils perdent leur foi. Et moi, je pensais même que, avec le capital intelligence qu'il y a ici, si on pouvait faire la symbiose
entre ce que nous avons reçu du Congo et ce que nous trouvons ici, je crois qu'on serait des chrétiens très forts qui comprenaient que le salut, eux, dans le travail, et le travail est béni par la prière. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. C'est très profond ce que vous venez de dire. Comme j'avais dit encore une fois de plus, chers téléspectateurs, vous internautes, vous qui êtes en train de nous suivre, j'avais dit que Ozana Magazine, c'est pour l'édification, c'est pour qu'enfin que nous puissions toujours travailler aux intérêts du royaume. Alors je sais que pasteur Chris, par rapport à ces cadres, vous n'avez pas assez beaucoup de temps, vous n'avez pas encore peut-être passé beaucoup de temps ici aux États-Unis, mais basé sur le peu que vous avez dit voir. Parce que je sais que pasteur Chris est intelligent, pasteur Chris est formateur, on va y revenir même par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez alors, est-ce que vous avez déjà trouvé de solutions pour arriver à encourager, ou quel est le mot alors que vous allez dire par rapport à ces chrétiens qui arrivent à tomber dans ce genre de piège? Parce que moi j'appelle ça des pièges. Quand vous lisez Luc, les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc, vous trouvez que c'est un intellectuel qui a écrit. Il s'adresse beaucoup plus aux intellectuels. Ici, quand nous arrivons aux États-Unis, la première des choses qui vous frappe, vous n'avez pas le temps de gaspiller. On ne gaspille pas le temps. On est soit au travail, soit à l'église. Donc, même à l'église, moi, je suis affecté. Je suis pasteur à temps partiel, part-time, comme on dit ici. Mais on me dit, vous devez faire 20 heures par semaine. Vous comprenez? Donc, si vous voulez être payé, vous prouvez pendant le 20 heures que vous faites par semaine, vous pouvez prouver comment vous avez organisé votre temps. Exact. Et le salaire revient en fonction de ce que vous avez organisé. Et ce temps-là est suivi. Nous vivons par rapport, comme on dit, par rapport au programme ici, vous devez avoir un programme bien identifié, là, devant lequel on doit vous suivre. Respectueux. Un programme respectueux, donc. Cela me prouve à dire que j'ai identifié des problèmes. Si je voudrais être mon pasteur, je dois savoir planifier mon temps. Ici, de deux, si je veux être mon pasteur, je ne devais pas abuser de temps des autres. Quand les gens viennent à l'église, vous le gérez pendant ce temps, restez efficace. Mais un bon pasteur, c'est celui qui sait donner le message qui est convenable au temps opportun. Vraiment. Si le message est convenable, mais qui n'est pas donné dans le temps, il ne passe pas. Le même message que vous donnez à Kinshasa ne passerait pas aux États-Unis. Vraiment. Et les messages des États-Unis ne passeraient pas à Kinshasa. C'est pourquoi vous voyez les anciens missionnaires, quand ils arrivaient, ils étudiaient d'abord les us et coutumes du milieu. Voilà. Nous avons une difficulté, surtout pour nous, les Africains. Nous voulons vivre comme en Afrique, aux États-Unis. Et ça crée un problème. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Chris. Vous êtes en train de suivre Ozana Magazine. Pasteur Eric Ampion, vous avez entendu. Le pasteur Chris a dit, il faudrait arriver à donner le message au bon moment, sinon ça ne passe pas. La méthodologie change, le même message, mais la méthodologie change. J'ai toujours dit ça, bien aimé, ceux qui sont proches de moi, j'ai toujours dit. Le pasteur, vous venez de l'Afrique, vous arrivez ici aux États-Unis, prenez quand même le temps d'arriver à observer comment les choses se passent ici, avant de se lancer directement dans le ministère. Sinon ça arrive à détruire, au lieu de construire. C'est comme ça que nous voyons de ministères moins efficaces. C'est comme ça que nous voyons certains ministères arrivent à échouer parce que vous ne connaissez pas comment les systèmes ici arrivent à s'organiser. Ozana Magazine, c'est juste pour arriver à vous encourager, à apprendre, à édifier. Ce n'est pas moi, vous avez entendu même le pasteur Chris a confirmé. C'est juste pour arriver à vous encourager. On n'a pas dit que non, arriver à arrêter ce que vous êtes en train de faire. Bien aimé, de bonnes choses ne dire jamais. Merci beaucoup pour le temps que vous êtes en train d'accorder. Merci parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bénis. Vous êtes nombreux à nous écrire. Maman Nikin Toumba, merci beaucoup pour votre temps. Maman Claudia Navutulu, vous êtes nombreux. Le berger Eddy Mwamba, vous êtes nombreux. Je ne sais même pas tout citer ici, sinon nous avons resté simplement là. Ce que je veux dire simplement, que Dieu vous bénisse par rapport aux intérêts que vous continuez à donner.
partagez, parce qu'en partageant, vous aussi, vous êtes en train de participer à ceci, à ces projets ici d'évangélisation. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, parce que le bonne chose n'a de dire pas. On va quand même inviter le pasteur Chris afin qu'il puisse repasser sur notre émission. Mais avant de lui laisser partir, je reviens encore chez vous, pasteur Chris. Alors, quel est le message que vous donniez par rapport au collègue pasteur, toujours dans ce cadre que vous avez dit, et par rapport au peuple de Dieu? Je commençais par l'épaule, les collègues pasteurs. Je veux leur dire ceci. Le secret d'un ministère puissant est caché dans la relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas être puissant dans le ministère si vous n'êtes pas, vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur. Si vous n'avez pas une alliance avec le Seigneur. Deuxième chose que je pourrais dire aux serviteurs de Dieu, la puissance dans le ministère réside dans le ministère de séparation. C'est un grand secret. Dieu ne pourra jamais vous utiliser puissamment si vous n'êtes pas libéré des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. J'aurai à organiser, par rapport à ma petite expérience, une rencontre avec le serviteur de Dieu. Mais je vous donne des choses. Dans 2 Rois 1, David pleure. Il pleure sur la mort de Jonathan. Et il dit, pourquoi les héros sont-ils tombés dans la bataille? Un héros ou une héroïne, c'est celui qui va, qui gagne une guerre, malgré les traces de blessures, l'héros ou l'héroïne rentre et fait le rapport. Nous avons été mandatés par le grand roi dans son ministère. Mais il y a 5 fléaux qui tuent le serviteur de Dieu. J'ai résumé ça en soupape. Le premier fléau, c'est le sexe. Il y a un grand serviteur de Dieu qui a dit, celui qui sait gérer son sexe va bien gérer son ministère. Le deuxième fléau, c'est l'orgueil. La Bible dit, l'orgueil précipite la chute. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueils. Donc, ne croyez pas que quand Dieu vous utilise, vous confondez les dons qu'il a mis en vous à votre effort personnel. Le troisième fléau, c'est la paresse. Il y a les serviteurs de Dieu qui croient que travailler, c'est un péché. Pourrait, le Saint-Esprit va tout donner. C'est un grand risque. Si vous voulez être grand, notre Dieu lui-même est travailleur. Il a battu le monde dans 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Et il lui-même dit, un jour égale 1000 ans, 1000 ans égale. Donc, il a, si vous pouvez comprendre, Dieu était Dieu travailleur. Il encourage le travail. Et il y a un autre fléau, c'est l'argent. Il ne faut pas beaucoup aimer les gens par rapport au travail. Quand vous travaillez puissamment, l'argent viendra. Il y en a, nous avons la tendance de créer des circonstances, des prédications, des styles pour attirer l'argent. Et ça détruit le ministère. Travaillez et Dieu verra votre besoin. Il vous amènera des corbeaux pour renforcer votre ministère. Et le dernier fléau qui tue les serviteurs de Dieu, c'est des mensonges. Des mensonges par rapport aux engagements que vous avez pris avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes fidèle à cet engagement? C'est vraiment très bref, je ne pourrais pas entrer en profondeur. Mais dans des enseignements que nous prévoyons pour les serviteurs de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de partager mon expérience avec les autres. Je ne sais pas pourquoi il insiste que je le fasse. Lui-même connaît. Je voudrais commencer à transmettre ce que j'ai au peuple de Dieu. Voilà ce que je pourrais dire. Mais j'allais oublier quelque chose. Quand on m'a posé une question sur quand je parlais d'Athos, il y a une idée qui m'est venue. Vous savez le pain, le pain, la formule est la même. On ne peut pas changer la formule du pain.
partout où on fait le pain, c'est avec la même formule. Mmh. Mais quand vous allez dans le milieu, le pain qu'on voit à Kinshasa, ce n'est pas le pain qu'on voit aux États-Unis. Amen. Le pain des États-Unis est adapté aux circonstances, aux réalités américaines. Mmh. Quand vous avez en France, vous avez le pain français, vous avez le pain arabe, mais la formule reste la même. Donc, vous ne pouvez pas changer la formule de la parole de Dieu. Amen. Mais vous l'adaptez. Parce que les faits sociaux sont totaux et globaux. Amen. Quand vous savez observer les phénomènes sociaux, vous allez porter la prédication, la parole de Dieu adaptée. Le pain, la tosse adaptée à ce milieu-là. Mais la formule reste la même. La formule, c'est quoi? C'est la consécration. Dieu aime et il a besoin des hommes et des femmes consacrés. Dieu n'a pas besoin des ouvriers, mais il a besoin des disciples. Amen. Et quand vous êtes disciple de Jésus, vous devenez fort et vous suivez les commandements de notre Seigneur. Vraiment. En tout cas, très bien par le pasteur. Merci beaucoup pour le message. Je crois que les hommes de Dieu vous avez entendu, le serviteur vous avez entendu. Je te jure que Zala Magazine, c'est pour arriver à édifier. Le fer aiguise le fer par rapport au serviteur et un outil d'évangélisation par rapport au monde qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, pasteur, vous allez regarder la caméra. On va poser quelques questions par rapport à la caméra, face à la caméra. Alors, j'aimerais directement commencer par quelques questions. Alors, ceux qui se sont connectés à la dernière minute par rapport à cette émission aux Zana Magazine, qu'ils ont raté peut-être le début, face à la caméra aussi, fait un peu la tautologie pour ceux qui étaient là déjà. Mais notre objectif, c'est que même si vous vous connectez à la dernière minute, que vous puissiez arriver à partir avec quelque chose dans la tête. Alors, le pasteur Chris, si vous pouvez encore une fois de plus représenter votre nom de famille. Je m'appelle José Chris Tutenga. José Chris Tutenga. Est-ce que vous êtes de quelle nationalité? Parce qu'ici, nous sommes aux États-Unis. Congolais. Et au magazine, ce n'est pas simplement par rapport. Je suis de nationalité congolaise. Quelles différentes langues que le pasteur Chris est arrivé à parler? Je parle toutes les quatre langues nationales du Congo. Le Lingala, le Tchouba, le Swahili et le Kikongo. Je parle le Tetela. Un peu de Kibongo parce que c'est apparenté. Vraiment. Merci beaucoup. Et pasteur, je parle aussi le français et l'anglais. Vraiment. Multilingue. Vraiment, c'est vraiment un outil que Dieu, je pense, que Dieu utilise puissamment. Combien de temps depuis vous êtes dans le ministère? Je l'ai dit, 25 ans. 25 ans de ministère. Et quel est, dans les termes clairs, quelles sont les différentes casquettes que le pasteur Chris opère? Wow. Ça, cette question, me la pose souvent. Parce que nous avons entendu beaucoup. Oui, le travail central que j'aime, c'est la pastorale. Et puis dans la pastorale, je suis journaliste, communicateur, je suis formateur. Je suis formateur, je travaille dans le système de développement communautaire. Je forme de plusieurs casquettes, des hommes, des gens de lutte contre le VIH. Je forme les encadreurs des communautés de base. Je suis expert de la jeunesse. Je suis expert en communication pour le changement des comportements. Dans tous ces domaines-là, je suis formateur. Wow. Et c'est dans ce cadre de formation, vous formez dans le, comment on appelle ça, dans le spirituel aussi. Vous êtes aussi formateur? Oui, je forme. Je suis encadreur de pasteurs qui commencent le ministère. J'aime encadrer les pasteurs parce que j'ai travaillé dans mon église président du conseil de ministère ordonné. C'est celui qui chapeaute la vie spirituelle et sociale de pasteur. Ce travail m'a ouvert beaucoup d'horizons pour voir quels sont les problèmes qu'il y a dans le pasteur. Je suis formateur de jeunes pasteurs qui entrent dans le ministère. J'éveille la conscience pour que c'est le travail que nous faisons. Le travail pastoral, c'est un travail compliqué. Le ministère pastoral, c'est un travail compliqué. Vous parlez beaucoup plus des autres. Vous vous engagez beaucoup
pour les autres, à deux fois que ce que vous recevez des autres comme fardeau devienne vos fardeaux. Et si vous ne savez pas mieux le gérer, c'est vous qui trépassez. Il y a la famille qui en subit. Donc, comment gérer les autres et avoir l'équilibre avec sa famille, c'est le travail que je fais. Je forme aussi les pasteurs. Voilà. Parlant de famille, est-ce que le pasteur qui s'est marié, combien d'enfants? Je suis marié à une très jolie femme, Marthe Lucie, qui a perdu mon grand frère, son grand frère qui attend l'enterrement. Je sais qu'elle a battu, elle a perdu deux grands frères que j'aimais beaucoup, mes grands frères, dans l'espace de deux mois. Chérie, là où tu es, je te porte dans mon cœur et je soutiens. Je suis de cœur avec toi. Marthe Lucie, Chitenga, qui est mon épouse. Je suis père de trois enfants, trois jolis garçons. L'aîné, c'est Élie. Tous mes enfants ont des noms prophétiques parce qu'ils sont nés dans des circonstances particulières. Mm-hmm. Élie est né quand j'ai commencé mon ministère. Il a 25 ans et mon ministère a 25 ans. Wow. Et quand il est blessé, je lui ai donné ce nom de la prophétie. Mm-hmm. Et Israël est né deux ans après Élie. Israël, il a failli trépasser avec sa mère. Mais quand je priais pour le nom, Dieu m'a dit qu'il s'appellera mon prince. Et je l'ai appelé Ish-Arel, comme le dit les Hébreux. Mais Israël, pour les francophones. Donc, c'est un garçon battant qui sert le Seigneur, un serviteur de Dieu, un centre, un garçon très fort. C'est le pasteur de la famille. C'est lui qui organise tout ce qui est comme culte. Et le Benjamin, c'est Yann, Yahweh Nissi. Parce qu'après Israël, nous avons connu avec madame un moment de sécheresse. Elle pleurait, elle gémissait pour les enfants. Et il a dit, elle voulait avoir beaucoup d'enfants, mais à un moment donné c'était difficile, elle pleurait. Même Israël chantait chaque matin, Nazan en écoutait Yahweh Sukaka, et cette chanson faisait très mal à son frère, à sa mère, et Yann est venu. Et c'était la situation terrible, maman a voulu mourir, on m'a appelé en catastrophe, je suis arrivé. Et à l'hôpital, les médecins m'ont demandé la permission si on pouvait faire la césarienne. J'ai accepté. Et quand Yann est né, c'était une émotion très forte. On l'appelait Yahweh Nissi, Yahweh Yann, à l'imposé. L'éternel, notre bannière. Nous avons vu la réponse de Dieu à nos prières. Et ce garçon, c'est vraiment l'étendard du Seigneur, très intelligent. Et en passant, je t'ai dit qu'il a été lauréat de son école. Aux examens d'État de cette année avec 80%. Donc, félicitations. C'est ton coach. Félicitations. Et cela, c'est mon secrétaire particulier. Vraiment, vraiment. Alors, l'avant-dernière question, que le votre père spirituel et votre mentor? Parce que si c'est le même, si c'est la même personne, quel est votre père spirituel et votre mentor? Si, parce que ce n'est pas obligatoire que votre père spirituel doit être votre mentor. J'ai dit, et vous savez, j'ai beaucoup de pères spirituels qui, chacun en son tour, a dit. Le premier, de m'avoir dit que j'étais donc le premier. D'abord, moi j'ai connu, ça c'est une longue histoire, on va en parler plus tard si vous voulez. J'ai connu un problème pour avoir les diplômes d'État. C'est une histoire très longue. J'ai fait 9 fois. Donc 8 fois. Mauvaise foi et une 9e fois. C'est une autre histoire qui a formé mon ministère et mon caractère. Donc, c'est lui qui a découvert d'abord que j'étais intelligent, qu'il avait du potentiel, qui a cherché à ce que je reprenne les examens d'État. C'est le pasteur Lotengo. Mon père, pasteur Lotengo. Papa Daniel, là où tu es, je te salue. Le deuxième qui m'a dit que je serais pasteur. J'étais turbulent à l'église, un garçon très turbulent, mais celui-là vit dans ma turbulence les indices d'un bon pasteur. Il m'a appelé un jour pour organiser la Sainte-Seine. Vous savez, au Congo, la Sainte-Seine, c'est quelque chose de très capital. Il dit, tu feras la Sainte-Seine de moi. Et il a pris le temps, le soin de me montrer tous les détails possibles pour préparer la Sainte-Seine. Et il m'a dit pendant ce temps, je le fais avec tous les sérieux du monde à te le montrer parce que je sais que tu le feras un jour. Je lui ai rappelé avant de venir ici
Je lui avais dit, papa, tu sais que tu avais dit ça. Il s'était étonné. Pasteur Kemba Jean, Jean-Marie, et celui qui est venu asseoir au ministère et montrer comment être pasteur, comment prêcher, c'est le révérend Massoudi Makagoula. Révérend Massoudi Makagoula. Mais je le salue aussi en passant. André, il est pasteur à l'église Source des Vies en Gabon. Le dernier, mon mentor, c'est l'évêque de Bishop Yemba. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci pour avoir répondu dans nos questions face à la caméra. Merci encore une fois d'être venu ici sur le plateau d'Ozana Magazine. Alors, un mot par rapport aux chers téléspectateurs qui suivent Ozana Magazine. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? C'est une belle émission. J'aimerais que vous la suiviez. Ma prière pour Ozana Magazine, qu'elle traverse encore les frontières, que ce soit une émission de référence que le monde va parler, parce que c'est un outil qui va connecter le monde. Je sais ce que Dieu avait fait avec moi par la parole. Et je déclare que cette émission changera le monde. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. J'ai même envie d'acclamer par rapport à ça, parce que je crois au pouvoir de la parole. C'est ça que la parole de Dieu a dit. Le pouvoir nous est donné. Alors, merci beaucoup encore une fois de plus pour être là, le pasteur, par rapport à votre temps. Et j'en profite pour dire que merci encore une fois de plus à vous tous qui avez suivi l'émission Ozana Magazine. Vous êtes nombreux derrière vos petits écrans en train de nous suivre, les tablettes et téléphones. Continuez à accorder de l'importance à cette émission, parce que je sais que vous serez bénis, vous continuerez à être bénis. Nous continuons à recevoir différents hommes de Dieu, chantres. Si vous êtes serviteur de l'Éternel, vous voulez participer à Ozana Magazine, bien aimé, le plateau est ouvert à tout le monde. Le plateau est ouvert à tout le monde. Appelez le numéro qui s'affiche sur vos écrans pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Prenez les écritoires et notez. Sinon, alors, retrouvez le numéro sur notre page Facebook Ozana Magazine. Le numéro, c'est 502-230-7373. Je répète, 502-230-7373. Ou alors, vous nous écrivez à partir de page de commentaires ou notre page Facebook, ou alors notre email adresse. Et je tiens aussi à informer à tout le bien-aimé que Ozana Magazine, très bientôt, va ouvrir ses portes à Kinshasa aussi, là où nous sommes en train de travailler avec notre bien-aimé, la servante Diane Ndefou, que Dieu vous bénisse. Le travail que vous êtes en train de faire, je suis déjà en train de voir. Je continue à prier que Dieu te donne l'onction et que tu continues à conquérir, afin qu'ensemble nous puissions dépeupler l'enfer et arriver à travailler pour les intérêts du royaume. Merci encore une fois de plus. Vos suggestions sont le bienvenu, bien-aimé. Continuez à nous écrire. Nous allons continuer à améliorer nos travaux. Mais en attendant, restez avec nous, supportez-nous, parce que le pasteur Christ l'avait même dit, avec le moyen que nous avons, c'est ce que nous avons présenté. Nous ne savons pas mieux faire, mais je sais que Dieu va continuer à nous former. Et par rapport à vos commentaires et suggestions, nous allons continuer à améliorer. Et pas à pas, ensemble, nous allons aller de mieux en mieux pour les intérêts du royaume. Merci. C'était Muller Malonda, le présentateur, avec le pasteur Chris Chitenga de Methodist Church, basé ici à Louisville, Kentucky. Il a un ministère francophone où ils se réunissent chaque dimanche à partir de 9h du matin. Si vous n'avez pas une église, venez participer à cette église. Dans les cas contraires, merci encore une fois de plus pour moi. On se retrouve à la prochaine édition. C'était l'émission Profil d'Ozana Magazine.